Salut, c'est Fatal Ordi et on se retrouve pour un nouveau défi de Monado. Alors ce défi, c'est moi qui l'ai inventé, donc j'espère qu'il sera sympa. J'ai déjà fait quelques tests, je pense qu'on va bien s'amuser. Donc ce défi se trouve sur la jambe de Bionis. Alors pour le faire dans les meilleures conditions, il est préférable d'y être en new game normal, juste en nouvelle partie, dès le début du jeu. Donc là vous voyez que je n'ai pas encore récupéré Charla. Donc ben juste dès que vous arrivez sur la jambe de Bionis, ben vous allez ici et vous faites le défi, voilà, si jamais vous avez envie de le faire. Donc là vous voyez c'est rapide hein, pour y arriver. Là j'en suis à une heure de jeu à peine, donc ça va assez vite. Donc mes persos, donc vu que j'ai pas récupéré Charla, j'ai juste Shulk et Rain, donc vous voyez qu'ils sont à poil hein, voilà. Donc, et ça se trouve près du pont de Ragel, voilà, qui est en face. Et le but du défi, ça va être de passer sous le pont de Ragel. Sauf que ben, c'était encore trop facile. Et donc on va devoir y aller en marchant. Voilà. Donc pour le moment j'ai pas réussi. On va bien voir ce que ça donne. Voilà. On va commencer, bon ici voilà. La difficulté, ça va pas être de tomber, parce que là évidemment les plateformes sont très grandes et puis c'est pas en marchant qu'on va tomber, mais c'est surtout à cause de ceci, Cyrus sombre niveau 76 et le petit Cyrus blanc niveau 75. Donc voilà, toute la difficulté va consister à ne pas se faire voir, et donc en marchant évidemment ça va être plus compliqué. Donc je vais sauvegarder ici, je me donne 3 essais pour y arriver. C'est parti. Donc pour marcher, eh ben il suffit de ne pas incliner trop le stick. De toute façon l'animation change hein. Quand vous courez ça donne ça, et quand vous marchez voilà ça donne ça. Bon là déjà je suis mort, voilà. Bon. Si on se fait repérer, on est obligé de courir, donc ça annule le défi évidemment. On ne peut pas leur échapper sans courir. Ils sont pas très rapides. Donc en courant on peut les fuir sans problème, mais par contre en marchant c'est mission impossible hein. Alors on peut marcher à plusieurs vitesses, là comme ça, voilà, mais okay, là je pense que c'est bon. Il est en train de se chercher les puces. Ah merde. Il approche. Toujours garder la caméra vers lui pour voir où il va aller. Vous voyez que l'entrée du pont se trouve vers le milieu de la plateforme, pas à l'extérieur. Donc il faut revenir vers lui si on veut passer. Voilà. Bon là on peut courir vu qu'il n'y a personne. Okay. Et évidemment toujours prendre le chemin le plus dangereux. Hein, c'est le but du défi. Alors là ils sont deux. Ça va être plus compliqué. Bon là il y a... Il n'y a qu'un seul pont, je crois, ouais. Ah, il se rapproche. Pas bon, ça. On va s'éloigner un peu plus. Ok, c'est passé, c'est bon. Ok. Bon là évidemment, non c'est pas là, c'est après, il y aura deux chemins, je vais prendre celui de droite. Alors vous voyez que seuls les gros sont agressifs, le problème c'est que s'ils nous repèrent, ils rameutent les petits. C'est pour ça que les petits en fait ils sont grégaires, donc dès que leurs compatriotes déclenchent le combat, et bien ils les suivent. Bien, faut pas que je cours. Allez, non. Voilà. C'est pas facile de doser sur le stick. Enfin, là, ça va être chaud par contre. Oh, oh. Ça va être chaud, chaud, chaud. Il y a l'autre qui se ramène en plus vers moi. Là, voilà, comme ça. On va prendre le plus à l'extérieur possible. Ok, c'est bon. Quelque chose a dû les attirer là-bas. J'ai lancé une pierre. Voilà.
Alors là, qu'est-ce que je fais? Techniquement... Ah! Ne viens pas vers moi, s'il te plaît. Non, pas courir. Voilà. Là, je pense que je vais pouvoir y aller en faisant le tour tranquillement. Il y a encore un groupe de 3 après. Allez. Là, je pense que c'est bon, il me verra pas. Voilà. Au pire, s'il voit Rain, tant pis pour lui, il se fera tuer. Là, il n'y a rien. Ok, ici. Go. Non. Putain, si le troisième bouge pas, ça passe. Voilà, c'est bon. Putain, il y a celui de droite qui se ramène. Non, c'est bon. Non 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 non. Ah, au secours. Pitié. Merde. Bon, Rain ne s'est fait repérer, c'est pas grave. Merde, ne pas courir. Ah, c'est les petits qui l'ont vu, c'est marrant ça. Vous voyez, pourtant ils sont pas agressifs. Mais merde, 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 non. Allez, allez, oui. C'était chaud là. Ouais, les petits étaient pas agressifs. Mais lorsqu'ils m'ont vu, j'étais encore sous l'anneau d'agressivité des autres de la plateforme d'avant et du coup ils ont attaqué Rain. Voilà, on a fait la première moitié et maintenant il va falloir revenir de l'autre côté, donc avec un nouveau type d'ennemi. Dans la première partie, on avait des Cyrus niveau 75 à 76 et là nous avons droit à des Gaudrilles niveau 75 à 78. Je sens que ça va être marrant. Bon, là, je vais pas m'embêter, je vais directement tomber ici, hein, parce que... Hop, voilà. Allez, c'est parti. Oh, putain, ils sont juste à côté de l'entrée. Bon, j'aurais pu instaurer une limite de temps aussi pour faire en sorte de ne pas les attendre. Enfin, de ne pas attendre qu'ils bougent pour que ce soit plus facile. Enfin, je veux dire, je recommence, parce que là, je suis en train de m'embrouiller. J'aurais pu instaurer une limite de temps mais pour me presser pour que ce soit plus difficile, parce que là, il suffit d'attendre qu'ils se placent au bon endroit et ça devient facile. S'ils se mettent à l'autre bout de la plateforme, ça passe tranquille. Alors que si on avait une limite de temps, eh bien, on serait obligé de se dépêcher et du coup, on devrait prendre des risques. Mais bon. Là, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo parce que je trouvais que c'était trop facile en courant. Et là, je suis dans la merde. Là, ouais, vous voyez la contrainte du chrono, ça aurait pu être intéressant ici. Voilà, parfait. C'est vrai que ce défi, ça me rappelle... un fait divers que j'avais lu dans le journal, c'était assez marrant. C'était comme tous les faits divers, quoi. À la fin des journaux, il y a tout le temps des trucs assez marrants, assez gore. Et du coup, là, c'était, ça se passait en Afrique. C'est un homme qui était allé voir un gourou. Et le gourou lui avait dit que s'il voulait avoir le bonheur absolu, il fallait qu'il aille passer 24 heures dans la savane entièrement nu. Et donc l'homme l'a cru et c'est ce qu'il a fait. Et il s'est fait attaquer par une hyène et il s'est fait bouffer ses bijoux de famille. Voilà, donc... Non ! Non ! Ah ! Putain, j'y étais presque. Est-ce que je recommence ? Est-ce que je recommence? Est-ce que je recommence? Ouais, ben, on va recommencer, hein, parce qu'on est des warriors. On recommence tout depuis le début, bien sûr, sinon c'est pas marrant.
Ok. Troisième et dernier essai. Alors là, ok, c'est bon. Là, on va prendre des risques. On va passer très près de l'ennemi pour gagner du temps. Voilà. Si jamais il se retourne, c'est fini pour moi. C'est bon. Ah, c'est pas facile de doser le stick. Si j'avance un petit peu trop, il court. C'est pas ce que je veux. C'est-à-dire que j'avais bien réussi à passer la première partie. J'étais content. Oula, là, ça va être chaud. Peut-être par là. Bon, s'il se retourne de mon côté, je suis mort. Merde, ne pas courir. Ok, c'est bon, ils vont de l'autre côté. Ok. Non, ne pas courir. Non. C'est pas mal en fait ce défi. Ouais, faudrait juste rajouter une contrainte de temps, ça pourrait être encore plus intéressant. Oh putain. Vite, 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 vite. C'est bon, il m'a pas vu. Faut que je fasse gaffe aux autres. On va s'éloigner un petit peu. Ah, ils se ramènent tous ici. Il est prêt, lui. Non, c'est bon, il a tourné la tête au dernier moment. Alors, lui, il faut pas qu'il se retourne. Non. Et il vient vers moi, en plus. Pile vers moi. Bon, le petit, ça risque rien. On va faire attention quand même. Cette partie-là, ça va. Mais la partie avec les gaudrilles, j'étais quasiment arrivé. Je suis dégoûté. Alors là, on va essayer de ne pas se faire repérer cette fois. Bon là, déjà, ça me paraît impossible. On va attendre que celui-là bouge. Voilà. Ah ! Oh, cette feinte qu'il nous a fait, là. Non, va-t'en. Bon, alors, je sais pas si ça rend bien sur la vidéo. C'est vrai que ça doit être assez pénible de regarder un gars marcher. Mais bon, je peux vous dire que moi, j'ai la pression, là. Alors là, il y en a 4. Si jamais je me fais voir, cette fois, c'est la fin. Ils vont pas être aussi sympas que la dernière fois, je pense. Ça a l'air d'aller. On va plus se mettre par là. Voilà. Ok, première partie réussie. Alors si jamais vous avez envie de le faire avec une contrainte de temps, je pense, peut-être pas 5 minutes, mais, peut-être 5 minutes, ouais. Je sais pas combien de temps j'ai mis là. Ouais, peut-être 5 minutes, ça pourrait être pas mal. Alors là, on va se mettre là. Bon, ceux-là, on les compte pas. Voilà, on va sauvegarder ici. Bon, là, ça me sert plus à rien puisque j'en suis à ma troisième chance. Donc, si je meurs, de toute façon, le défi sera perdu. Mais bon, c'est le but d'un défi, hein, de ne pas y arriver du premier coup. Attendez. À tes souhaits, monsieur le rouquin. Ok, ça passe. J'espère que lui me verra pas. Faut pas qu'il avance de mon côté. Eh ben tu t'es enrhumé mon vieux. Ok, c'est bon. C'est ceux-là qui m'avaient vu là, je sais plus.
Mais il y a une épidémie ici. Non, 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 et non. Mais tant pis. Défi raté. Le défi est raté, donc j'espère que vous ferez mieux que moi. Donc je vous montre quand même ce que ça donne en courant. En courant, c'est plus facile, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est la troisième fois que je fais la vidéo. En courant, ça va super vite. Voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, voilà. Ben, en plus, ça permet de s'échapper si jamais on est repéré, c'est ça le truc. Alors qu'on peut pas le faire quand on marche. Là, vous voyez, il suffit de faire ça. Merde, là, je me suis raté. Je vais même pas y arriver. Ah mais la difficulté c'est que les ponts en fait ils sont au centre des plateformes, c'est chaud. Du coup là je me suis raté, j'ai foncé dans le mur. Cette fois c'est la bonne. Voilà, ça passe tranquille quand on court, c'est pour ça c'est trop facile. Même là après, donc ça c'est ce que j'aurais dû faire en marchant bien sûr. Là il y a cette partie là. Bon je vais essayer de le faire quand même. Pour l'honneur. Juste pour voir si c'est difficile ou pas. Je pense que cette partie là après ça va. Une fois qu'on est sorti des plateformes ça peut aller. Il y a juste lui, il faut pas qu'il se retourne. Bon, je vais pas non plus vous demander d'aller faire le tour de l'arbre parce que ça me paraît super chaud. Mais bon. Ouais, ici après ça va. Non. Bon d'accord, il m'a repéré, tant pis. Enfin bref, voilà, le but c'est de retourner sur le sommet de la colline de là où vous êtes parti, voilà, en face. Je pense qu'on va s'arrêter là, voilà. Donc défi échoué à 1000%. J'espère que vous y arriverez mieux que moi. J'espère que ça vous plaira surtout, que vous prendrez du plaisir à le faire, voilà. Et donc c'est la fin de la vidéo, donc je vous dis salut, à la prochaine.